Frère Maxime, bonjour, bonsoir, amis téléspectateurs, amis internautes, ou même qui suivent moi sur YouTube, ou même qui suivent moi sur Facebook, ou même qui suivent moi sur réseaux sociaux. Nous sommes vraiment contents matin pour nous saluer dans notre Seigneur qui a tout pouvoir. Nous préparons nos matins pour nous porter un bon tasse café spirituel, pour bénir l'amour, pour qu'on ait une relation ensemble avec bon Dieu. Pour Silayo qui déjà gagne une relation avec bon Dieu, nous besoin continuer kembe relation ça étroite, kembe le serré, parce que gen pile monde qui te gagne une relation avec bon Dieu, pourquoi elle est là pendant ma parole là, yo pas gagne relation ça encore, parce que yo manqué bay relation que yo gagne avec bon Dieu a importance. Les pour yo prier c'est avec un pile difficulté, c'est peut-être ça m'encourage au prier frère. Prier seul, prier ou même cap tande m là parce que bon Dieu tande prier tout le monde même si ou pas chrétien. Bon Dieu tande prier. Celle prier bon Dieu pas tande, c'est une prière hypocrite, une prière yon monde qui pas sincère, une prière yon monde qui bluffe, cap prend pose li là pourtant qu'elle est pas là. Parole bon Dieu a fait nous connaître. Gen moun kap rele Seigneur, Seigneur, mais kè yo éloigné de bon Dieu. Donc ça veut dire si kè yo éloigné de bon Dieu, et bien même sou ap rele Seigneur, ou ap danse, ou ap vole, ou ap pompe, ou ap rele Alléluia, c'est la ve men si yate. Nou konnen vérité a fon tandil, gen pil moun ki pa rèmen tan de vérité. Mais vérité a se salye, nou même ki se chrétien, c'est dans vérité à nous, parce que Jésus-Christ parle avec nous déjà. Donc, nous n'avons pas de droit pour nous bailler menti. Jésus raille menti. Mon Dieu, nous avons servi à Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Là, il raille menti. Donc, nous-mêmes chrétiens, nous n'avons pas de droit pour nous bailler menti. Je profite de saluer tous les amis qui suivent moi là. Sous fin branché émission Tasse Café Matinal, nous souhaitons bienvenue. Sous vous abonner, encouragez-vous à abonner. Vous avez besoin de bon message. Ou ap jwen bon parole pour nourrir l'amour, ou ap jwen prière. Et sou reme artiste musique, artiste yo k ap fè bon musique nan monde évangélique là, et ben ou ap gen possibilité pour apprendre de yo. Quel que soit moun k ap travay nan secteur ça, soit nan musique ou bien nan œuvre caritatif ou bien nan aide moun. Donc depuis l'Éternel mette sou cœur nou pour nous parler de yo, pour nous partager de yo même. Donc ça c'est média pa yo pour nous parler de yo même. Comment yez en même? Comment y est en relation avec bon Dieu? Qui dernière fois où t'es passé un bon temps de prière, qui t'es metté un joie dans le cœur? Qui dernière fois? Donc réponse ça, li dans le cœur. Ou qu'on est qui dernière fois? Donc moi te vle juste poser aux questions pour faire réfléchir. Qui dernière fois où prier pour gagner un peu le monde qui a une difficulté de prière? Combien fois prier par jour? C'est la question que me poser. Tout simplement ou même ou capable répondre yo, si vous voulez ou ka quitte un commentaire, mais il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire pour quitter le long commentaire pour dire moi prier trois fois par jour. Non, c'est pas ça. Alors, je pose aux questions. Hein? C'est pour mettre en réflexion avec vous-même pour examiner la relation avec bon Dieu. Combien de fois vous lisez Bibou? Est-ce que vous avez un livre spécial ou appelé? Comment vous lisez Bible? Est-ce que vous lisez on l'air ou dans droite, on l'air ou devant dans Genèse là? Et puis on l'autre l'air ou tombe dans Apocalypse sans même ou pas même connaître qui ça livre Genèse là? Moi-même qui parle ensemble avec nous là, l'Éternel mettait sous cœur pour me partager avec nous mode et fonctionnement comment pour nous lire Bible là. Gen des tactiques, gen des stratégies pour lire Bible là et pour capable comprendre parole bon Dieu. Parce que si vous pas lire Bible avec stratégie, ou perdu. Comme c'est pas sujet à aujourd'hui, ben m'a gen chance pour me faire ça pour nous dans une autre émission côté que m'a gen une série d'émissions pour nous parler au et aider au fait résumer Bible là avec ou même après résumer chaque livre et ben quelques aider avec quelques mots clés et d'autres avec contexte biblique yo. Donc ça peut aider nous avec et travail ça nous même qui sont chrétiens parce que grand pile monde qui tend de parler de la Bible qui gain Bible là mais yo confuse grand pile bagaille yo pas comprendre yo toujours yo aimer bon Dieu mais yo pas fin comprendre bagaille yo. Donc, Seigneur a toujours mis des mondes pour aider, pour travailler ensemble avec vous. Je suis vraiment content matin de parler avec nous. Je espère que Seigneur a libéré force et courage dans un moment difficile.
côté que gen pile moun kap malade, côté que gen pile moun kap mouri, côté que guerre commencé dans monde lan et li bay en pile moun ki sauté parce que pa vle pour que ça ta débouché sur en guerre mondiale. Moi même particulièrement pa ta renmen ça, pa ta renmen que li débouché sur une guerre mondiale. Donc frère Maxime yo, on nous prier pour que Seigneur préserve et famille nous d'abord, préserve entourage nous pour préserver monde, préserver chrétien vivant parce que nous devons gagner compassion pour monde. Nan côté n'a pas là, imaginez que pays côté que bombe a tombé ou bien missile a tombé et bien gen petit bébé, gen femme enceinte, gagne toute qualité monde qui victime tout en deux bail ça yo. Donc ça veut dire frère Maxime, nous devons prendre conscience dans qui monde n'a vivre là. Mais grand pile l'autre bail a fait tout. Même Jean bombe l'a tombé dans la vie monde l'a fait des gars. C'est comme ça tout, on série de péché entrer dans vie nous, il y a fait des gars dans nom nous, il y a fait des gars dans entrailles nous. Et si nous pas changer, si nous pas repentir, si nous pas prendre relation avec bon Dieu au sérieux, et mais bonjour quand même n'a quitté ça, bonjour quand même souffle nous a coupé. Et là ça nous pas dans le monde ça encore. Et là nous pas dans le monde ça encore si c'est pas avec bon Dieu nous y est. Qui côté la pied. Donc ça c'est des bails pour nous réfléchir. Me saluer tout si là qui en Haïti qui a suivi mission hein. Me saluer spécialement ma chère femme Magdalene Cristallin et moi saluer toute fidèle et super branché émission. Nous saluons ces Mona Diver qui suivent nous depuis Haïti. Nous saluons ce Rebecca Raphaël qui suivent nous depuis Canada. Nous saluons ce El Janet Forestal qui suivent nous depuis la France. Et nous gagnons ce nous qui en République Dominicaine, Frenax nous qui en République Dominicaine qui suivent émission. Et gagnons l'autre encore qui dans l'autre pays dans le monde là. Qui a suivi l'émission. Seul ça m'a dit à chaque fois, à chaque somme, à moun qui remet l'émission et qui remet frère Jean-Honel Cristallé et qui remet travail bon Dieu que nous avons fait, qui ton commentaire, please. C'est Medjine Basile. M'vois une salutation spéciale pour vous-même, somme. M'salue tout super branché yo et supporter l'émission. Nous gagnons groupe Tasse Café Matinal là. Nous avons quitté. M'a quitté l'enclin pour nous-mêmes si nous voulons intégrer groupe Tasse Café Matinal la Frère Maxime yo. Nous capable joindre l'enclin dans yon commentaire que m'a quitté en bas vidéo. M'a quitté le tout dans description vidéo. Donc nous capable entrer dans groupe WhatsApp nous. Nous gagne groupe Instagram nous tout n'a quitté l'enclin. Donc ou ka entrer dans groupe ça yo côté que nous prions ensemble, côté que nous partager parole bon Dieu ensemble. Une façon pour nous toujours être soudés. Donc, Frère Maxime, rapidement, en nous prière. Ensuite, nous allons entrer dans le sujet pour aujourd'hui. L'nécessaire pour nous prendre bon temps de prière. Mais c'était tout. Ouvrez le cœur. Côté que nous allons prier, Seigneur. Adorable, tendre Père Céleste, Dieu des cieux, Dieu de l'univers. En pile, nous vraiment fatigués. Nous fatigués avec la situation pays. Non? Oh Seigneur, nous fatigués avec ce qui a passé à travers le monde. Dans le moment où on a parlé là, Seigneur Dieu, il y a des gens qui ont des difficultés pour mettre main en bouche, pour manger un morceau de pain. Il y a l'autre tout, Seigneur Dieu, qui ont des difficultés pour jeter un petit goût de l'eau potable pour boire. Il y a des gens qui n'ont pas de côté pour coucher, pour dormir. Il y a des gens qui n'ont pas de caille. Il y a des gens qui, chaque fois, la pluie tombe, c'est gros causé. Il y a des gens, Seigneur Dieu, bêtes dans le coin de caille, ils ne sont pas capables de débarrasser de eux-mêmes. Situation la ville, situation côté la vive, et gen l'autre monde qui vit avec chagrin, gen l'autre monde qui vit avec tristesse, gen l'autre monde qui vit avec caisse sautée, à caisse serrée, Père Saint, gen monde qui bouleversé à travers monde là, rien gen queen en main au capement de charité, mais gen l'autre tout Seigneur Dieu qui gen problème insécurité, gen monde Seigneur Dieu qui prend humiliation parce que la vie a voyé l'un côté. Et côté le rivé à Seigneur Dieu, c'est ça que y a fait. C'est humiliation la main la prend. Dans même monde qui comprend ni plus passer, dans même monde qui a frappé l'estomac sous lui-même pensant que yo meilleur que lui-même, eh bien y a humilié. Y a humilié pour morceau pain, y a humilié pour petit grain rad, y a humilié pour sandal pour le mettre dans pied, y a parlé le mal, y a rappelé le côté le sorti, y a rappelé que le pas gain parent. Il a rappelé que famille pas riche, il a rappelé qu'elles sont pauvres, malheureux, malheureuses. Donc, il y a des gens qui souffrent à travers le monde. Il y a des gens qui sont dans le foyer, qui passent misère. Il y a des gens qui sont mariés, qui humilient. Il y a
gen moun c'est madame ni k'ap humilié là, gen moun Seigneur Dieu bagay yo du pour yo même à travers le monde, gen moun tout c'est la vie k'ap maltraité l côté que Seigneur Dieu l'a souffri en pile parce que Seigneur Dieu li gon position lié, li gon situation lié, bagay yo bal kes serré, bagay yo bouleversé. Et gen l'autre tout Seigneur Dieu nan moman n'a parlé là ki t'a vle mete fin à vi yo, papa mande autant pour va changer l'idée yo, ou va voyer zanjou parler avec yo, si là ou ki rive nan bouche toi pour yo ta pran code là pour yo tuer tête yo, mande autant pour va voyer anjou al parler à cœur yo de façon à ce que yo changer pour yo connait yo gon avenir, yo gon avenir. Et depuis yo prend comme maître, depuis yo prend comme seigneur, depuis yo prend comme sauveur, ou capable changer la vie yo, transformer la vie yo, ou ka fait de l'eau sale ça vienne blanc, blanc li vienne potable côté que tout monde ta remen bois. Parce que Seigneur Dieu, ce n'est pas toujours comme ça nous y est. Mais gagne moun nous prend Seigneur Dieu dans poussière du fumier ou élevé indigent yo, mette yo parmi les grands. Et bien là ou vinn parmi les grands, longtemps yo pas de vouloir passer côté yo, longtemps yo pas de vouloir ban nous la main, longtemps yo pas de vouloir parler avec nous. Konya c'est moun k'ap chercher yo pour parler avec yo, c'est moun k'ap chercher yo parce que ou mette yo non niveau valeur que yo te gagne en pas de paraître, mais konya valeur a tellement paraître. Tout monde veut parler de yo, tout moun vle bon kote yo, tout moun vle ba yo la main parce que yo rive non niveau. Père très sincère, ou ka leve non en dignité. Gan pile moun nan moment sa mande autant pour va lever en dignité. Gen moun yo di que pap jaman yem mande pour faire ou kishoy, mande autant pour va éclater ou va faire gloire ou éclater. Père très sincère, dans la vie frère Maxem yo, gen moun ki gen chagrin va mettre la joie dans cœur yo, gen moun ki démunir Seigneur Dieu va ba yon famille, ou va ba yon foyer, gen foyer prêt pour craser, mande autant pour va restaurer. Tant vous souple aider nous ak maladie yo, aider nous ak chagrin yo, aider nous ak touman yo, aider nous na état pays ça a aidé nous na état monde là il a aidé nous gon gèk vle éclater gon gèk vle éclater pour ta transformer en guerre mondiale. Déjà gon guerre Seigneur Dieu, mais nous pas ta remel tout non guerre mondiale, nous ta remel suspend Seigneur Dieu, nous ta remel zam yo fait silence, missile yo fait silence, bombe yo fait silence, nous ta remel la vie pour population parce que nous connaît jouet kap joué a, c'est un jouet pour beauté nan moun aller. Moi connais Seigneur Dieu, ou voulez sauver nan nous c'est pour ça ou mourir. Moi met tout bagay. Mande pardon péché nous, c'est non Christ ça comme pour yo. Ak pardon péché nous, à lui soit la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit selon ta volonté, Père. Alléluia. Moi dis merci parce que vous suivez et vous tendez prière ça. Moi prie que prière ça. Moi espérer que prière ça lui fait chemin dans la vie. Moi espérer que prière ça lui bon force ou même qui t'ai perdu force. Frère Jean-Onel Cristallin avec vous matin. Hein? C'est moi-même frère Jean-Onel Cristallin qui a parlé avec vous la matin. Hein? Et ma présente au tasse café matinal pour bénir nan. Jodi a gon question qui nan l'esprit et c'est sous li n'a fait émission. N'tande gen moun qui c'est athée, moun qui athée yo c'est des moun qui pas croire nan bon Dieu. Et yo même dit bon Dieu pas exister. En réalité yo gen raison, bon Dieu pas exister parce que bon Dieu est. Il est, il pas existé, il était toujours là. C'est moi-même avant qui capable d'exister, nous besoin existence, mais bon Dieu, il était toujours là, là toujours là. L'alpha et l'oméga c'est pour globe terrestre là. L'alpha et l'oméga c'est pour globe terrestre là, c'est pour la terre. Mais bon Dieu, plus que l'alpha et l'oméga. Pour que ça l'alpha et l'oméga c'est pour globe terrestre là, nous même nous toujours gon question de commencement et fin, commencement et fin. C'est la parole bon Dieu a pas fini. Donc parole bon Dieu a pas qu'a fini parce que au commencement était la parole. La parole se fait chair, ça veut dire bon Dieu c'est parole. Parole pas qu'a fini, toute bagaille qu'a fait il commencer par parole. Pour pied bois au fait parole, toute bagaille c'est parole. Dieu est la parole. Puisque bon Dieu c'est verbe là, puisque bon Dieu c'est la parole,
Bon Dieu pas gen commencement et puis bon Dieu pas gen finissement, bon Dieu pas jam fini. Bon Dieu pas jam commencer et pour bon Dieu pas jam fini. Go causer m'a parler avec nous là. Bon, moi espérer que ça m'a dit là, il pas troubler personne parce que son dimension pour faut comprendre ni. Sou pas comprendre ni, pas inquiéto, bon Dieu connaît comment l'a fait avec vous. L'essentiel gen bagay ou plus besoin comprendre. Comment ou a fait pour nan mou sauver? Ça ou plus besoin connaître. Gen moun ki gen tan gon relation avec bon Dieu mais ou pote négligence et ça cap cause que ou perdi nan yo. Moi même frère Maxime yo m'vin là pour m'aide pour kembe relation avec bon Dieu de façon à ce qu'ou pas perdi nan yo. Question an c'est qui ça lié c'est si ou moun pa kwen nan bon Dieu, qui avenir? Question ça a li aller pour en pile moun ki pa kwen nan bon Dieu tant koum daka di moun yo rele athée yo. Bien entendu, il y a des gens qui ne croient que des gens qui sont athées vraiment. Athée, je ne vais même pas expliquer la question athée. Mais selon les gens qui parlent de question athée, ils disent athée, c'est les gens qui ne croient pas bon Dieu. Oh, ouais. Bon, mais même ça me vient de nous comprendre, c'est analyser sous question ça. Si les gens ne croient pas bon Dieu, qui a venir? Ok. Ou même ou gen t'ap réfléchi et même moun sa pa gen ken avenir ou gen t'ap fè réflexion pa ou. Peut-être gen moun ki di mais li gen moun ki pa kwen nan bon Dieu ki gen bel kay ki gen bel machine ki gen on vie extraordinaire donc yo gen avenir devant yo. Ou quoi ça vrai? Ou quoi son moun pa kwen nan bon Dieu gen avenir? Et ben nou va regarder selon la Bible si moun ki pa kwen nan bon Dieu gen un avenir vraiment. Et qui sont comprendre dans avenir? Est-ce que c'est avenir, c'est belle machine, belle caille et il fait l'argent, c'est ça qui est avenir? Oh, on sait ça, on comprend. Est-ce qu'on connaît que maladie, pas respecter l'argent, pas respecter belle caille, pas respecter tout bagage ça yo? Elle dit pendant que monde a toute richesse, toute million et puis une maladie qui a prolongé malgré le passé qu'il y a plusieurs docteurs, yo qu'on changer sang, yo font paquet l'autre bagage, ça pas ca. Ça va guérir lui et puis lui vient rendre compte que l'argent pas gain plus importance que la vie, l'argent pas gain plus importance que la santé. Donc grand pile bagaille qui échappé nous. Si nous pensons que avenir nous c'est l'argent, c'est là. Bah ça aussi bien matériel lui, nous besoin au certes. Mais yo pas qu'à déterminer avenir nous. Avenir nous pas qu'à machine, belle caille, belle auto. Avenir nous doit la vie éternelle. Et la vie, oui, qui t'a doué à venir nous? La vie éternelle. Bonne santé. Bonne santé. Ou t'as une bonne santé, ou gen avenir. Ou t'as une bonne santé et pour gen la vie éternelle. Imaginez ou gen 150 ans. Imaginez ou gen 200 ans. Imaginez ou gen 300 ans. Nantan nou y est là. Moun rive nan tan sa, nou wè comment yo vieilli. Si ou moun rive nan 100 ans, nou wè ki. S'il rive, oui, parce que. C'est pas facile pour ta jeune au monde 100 ans. Mais me fait regarder, me saute regarder une vidéo, ça montre que un grand monde qui vivait 300 ans. 300 ans, il est encore vivant. Mais là regarder le ouais c'est encore son squelette. OK. Mais m'a parlé de imaginer qu'un monde t'a gain 300 ans et puis j'en regarder maintenant là, a figure bien frais là, me très jeune, loin de bagaille ça. Et puis 300 ans comme ça, a figure frais comme ça, belle comme ça. Puissance mondiale, dame, 300 ans, nous belle comme ça. Nous gain santé. Nous avons besoin tout le temps, alkaï docteur, douleur, bagay. Imaginez ça. Alors, pendant que je dis imaginez ça, nous avons ouais, l'impossible pour nous gain 300 ans pour le temps qu'on pour le jambier là, pour le frère comme ça. Même, qui te me dit non, rien n'est impossible à Dieu. Bon Dieu, qu'a fait pour juste pour le faire gloire l'éclater. Oui, il qu'a fait. Si bon Dieu, il voulait faire pour moi, je dis merci. Je suis content de 300 ans, je suis jeune, je suis forme, je suis vigueur, mais pendant que je parle avec nous, je suis content de douleur dans le corps. Mais bon Dieu, fais grâce. Tout ça, c'est grâce. Pour ma belle décision, vraiment, on est entré dans Jean chapitre 6, qui a venu au monde qui n'a pas cru dans bon Dieu. Jean chapitre 6, verset 47. On a toujours été dans ce sujet. Jésus-Christ a parlé dans Jean chapitre 6, verset 47. Mais qui ça, Jésus-Christ dit? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Donc, au monde qui pas croit en Jésus ou pas croit en bon Dieu, pas croit en Jésus-Christ.
Donc si on monde dit il pas croit en bon Dieu, c'est sûr que il pas croit en Jésus-Christ. Ça c'est clair. Parce que il pas dit il pas croit en bon Dieu et puis il croit en Jésus-Christ. Ça impossible. Donc il dit Jésus-Christ dit comme ça en vérité, ça veut dire Jésus-Christ montre que la baie en vérité et Jésus-Christ c'est vérité. Tout ça Jésus-Christ dit c'est vérité. Il pas besoin dit en vérité. Même mon foi, il pas besoin dit en vérité. Mais tellement nous-mêmes nous mal pour comprendre, nous mal pour adapter. Jésus-Christ obligé sémenter son serment que le fait. Là il dit en vérité, ça veut dire son serment que le fait. Il jurer, ça m'a dit nous là, vous connaissez Jésus-Christ remet fait ça. Il remet la parler pour dire ça m'a dit nous là, c'est vrai oui, parce que mensonge toujours a frappé. Donc là bon vérité, ou elle on prend pile menti. Ou elle on prend pile menti, même là balle vérité, il mal pour quoi? Parce que il gagne t'en prend trop menti déjà. Donc Jésus-Christ dit en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Parce que l'homme on a regardé Jésus-Christ, petit Joseph, petite Marie, et puis qu'a dit celui qui croit en moi. Ou pas envie croire dans lui, ou pas on a dit ah c'est petit Joseph, c'est petite Marie. Donc même là qu'a parlé là Jean-Ronel Cristal, un monde qui connaît Jean-Ronel Cristal, ah Jean-Ronel Cristal. Yo aurait pas même ben m'écoute même. Yo aurait pas même suivre TV et yo aurait pas même suivre émission Tasse Café Matinal parce que c'est Jean-Ronel Cristal. Par contre les bon Dieu levé non dimension yo pas croire yo pas penser qu'on y a yo même k'ap vini tibin ban ou pral wè yo k'ap vini tande émission Tasse Café Matinal parce que gonsay de vérité k soti et tout moun commencé vini comprendre ça m'tap di yo et puis laisse ça ou après c'est laisse ça ap rapproché. Jésus-Christ dit en vérité c'est pas parole pam et ça que fait vérité k'ap soti a c'est vérité l'éternel donc c'est finalement y a fin pas comprendre Jean-Ronel Cristal. Il a fini par comprendre son serviteur mié. Il a fini par comprendre que son serviteur mié. Alors, il a fini par comprendre son serviteur mié. Il a fini par comprendre son canal que mié. Et ce travail, bon Dieu m'a fait. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi-même qui crois en Jésus-Christ là, moi j'ai la vie éternelle. Bonne nouvelle. Ou même qui croit en Christ, ou j'ai la vie éternelle. Bon, qui a venu ici là, qui pas croit en Christ là, parce que c'est lui qui sujet nous. Eh bien, li gen la mort éternelle, contraire de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Donc li pa gen un avenir de vie, li gen avenir de mort. OK, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Jésus-Christ lui-même li bay là, c'est la vie éternelle. Donc pour gen la vie éternelle, ou besoin croire en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ c'est lui-même qui la vie. Oh, bam di non bagay. Moi remarqué dans dernier temps yo gan pile faux prophète. Moi remarqué tout dans dernier temps yo gan pile monde k'ap travay soit qui dans l'autre branche k'ap shooter sous chrétien yo k'ap shooter sous personnage sous maître nou qui c'est seigneur nou Jésus-Christ yo shooter sous lui même dit shooter sous lui a essayer attaquer pour faire connaître que li pas réel li faux li son femme. Travail la fait parce que gon yo maître yo di yo ça pour yo faire donc y a travail pour maître yo y a travail pour papa yo. Mais nous même n'a travaillé pour papa nous bon Dieu et n'a travaillé pour mettre nous Jésus-Christ. Donc là on attaque Jésus-Christ, nous comprendre ça qu'a fait là. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu nous comprendre ça. OK, qui t'aime dit nous bah pour nous ouvrir yeux nous. Yon monde qu'a parlé soit lire les des textes bibliques parce que c'est comme ça frapper pifo. Là on les des textes bibliques pour yon prendre contradiction etc. Yon monde qu'a parlé contre Jésus-Christ contre la Bible. Pour faire connaître que Jésus-Christ n'a pas existé, etc., lire les plusieurs thèses, il vient avec la Bible, la parler et la montrer que les chrétiens, les gens qui croient en Jésus-Christ, ont besoin d'alléger, parce que les pasteurs ont besoin de mentir, parce que les prédicateurs ont besoin de mentir, parce que les occidentaux ont besoin de mentir, etc., etc. Bon, je dis nous, bagaille concernant mon travail. Ils ont une croyance. Ils ont une croyance. Ou même qui chrétiens, c'est croyance pas ou croyance en Christ ou croyance en Jésus-Christ ou connaît que il était venu, il était mort pour même, il bail ville pour donc ou accepter le, ou accepter sacrifice là. Ou gon l'amour pour sacrifice là, ou respecter travail bon Dieu et qu'on connaît avec Jésus-Christ ou gain la vie qui pas jamais finir. Mais texte ça me saute l'île pour là, il dit que monde qui croit en Jésus-Christ, il a gain la vie éternelle. OK. Gon bail qui besoin clair dans tête ou frère, gon bail qui besoin clair dans tête ou sœur. Ça va exister du tout que yon moun li pa gon croyance. Quel que soit moun ke li a. S'il ta di m pa kwè nan rien, ou met di l menti. Menti parce que tout moun vive selon croyance yo.
OK, ou après yo parler de culture, yo parler de culture, chaque monde gen culture yo. Gen culture africain, gen culture haïtien, gen yo di culture pa nou an sorti de l'Afrique, de couler de l'Afrique, gen culture l'autre nation et moun nan li même et ça fait Bible a parler nous clair, li dit nous gen moun ki rejete parole bon Dieu au profit de coutume yo de culture yo. Donc faut faire pile attention dans question ça. Donc m'a dit nous bagay. Oh, gen moun ki dit nous gen telle religion, nous jetel pour religion blanc yo. Jésus-Christ c'est pas religion blanc yo. Jésus-Christ c'est pas une religion. Jésus-Christ c'est petit bon Dieu et li pas venir pour yon pays, li pas venir pour yon kilti, li pas venir pour yon nation, li te venu pour toute nation sous la terre. Jésus-Christ venu pour tout monde là. Excusez-moi si nous tendons bruit côté voisin mais j'espère que moi mette un petit premier micro de façon à ce que nous tendons très bien. Christ c'est pour tout monde. Si on ne pas croire dans Christ, qui a venu au monde? Sou pa kwen nan Kris, ki avni ou moun sou pa kwen nan bon Dieu, ki avni ou pa gen anken avni. Kounya bam di yon bagay. Dalo, ou gen l'avni, avni lan mort pa jwenn. Donc c'est la mort éternelle. C'est ça kap tan nou parce que Jésus-Christ dit moun ki kwen nan li ap gen la vie éternelle. Ou bam li yon lot texte pour nous toujours dans Jean chapitre 6, kounya l'ap li verset 54. Deli verset 44, 47 là kounya m'ap li verset 54, li dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ça dit Jésus-Christ parle avec nous, il dit monde qui mange chair li, monde qui boit sang li, il y a bien la vie éternelle. Frère Maxime yo, ou pa gon sang a boire, ou pa gon chair a manger, mais c'est un symbole. C'est qui ça sang Jésus, c'est qui ça chair li. L'elle t'a pas mourir, il était ba yo pain avec divin. Donc c'est ça qui représente sang Jésus-Christ avec chair li. Chaque qui le ou ka pran, gen moun ki pran Sainte-Seine, yo comprend ça. Mais gen l'autre assemblée qui prend communion, yo comprend ça, ça veut dire. Nous toujours partager repas Seigneur. Repas Seigneur c'est collé avec sang li. Ou pas ka prendre n'importe gens, ou pas ka prendre n'importe les. Faut qu'on en communion avec Christ, faut qu'on mène une vie de sainteté, une vie de pureté, ou pas chita plaider des bay moun menti a bluffer moun et puis qu'on a bay communion, on vient prendre communion. Qu'on a bay Sainte-Seine, ou on prend Sainte-Seine. Donc pour prendre Sainte-Seine, ça fait les Sainte-Seine, ça veut dire les saine, ou on prend avec un cœur qui saine, ou on prend avec un esprit qui saine, ou on prend avec esprit de vérité parce que Jésus-Christ dit li c'est bon Dieu non, li c'est Dieu esprit et vérité. OK? Donc nous besoin servir bon Dieu en esprit et en vérité. Donc frère Maxime, li dit moun ki mange chair li et qui boit sang li, le monde ça, li gen la vie éternelle. Li dit comme ça, il font promesse et la ressuscité dans dernier jour. Ça veut dire si ou mouri en Christ, la ressuscité ou a fait partie des morts en Christ. Mais si ou pas ko mouri et que tu es vivant et puis Jésus-Christ vient ou a enlevé la transformer ou ressuscité, c'est pour si là qui mourir, mais pour si là qui vivant la transformer ou. Donc ça veut dire ou a toujours fait partie de corps de Christ. Donc pour ça arriver, ça veut dire faut toujours communier ou bien faut toujours en prendre Sainte-Seine, faut toujours en communion avec bon Dieu, faut on va mener une vie de sainteté, une vie de sainteté, une vie de pureté. Donc un monde qui pas croit dans bon Dieu, il pas gon vie de pureté l'a mener. Un monde qui pas croit dans bon Dieu, il pas gon vie de sainteté l'a mener. Un monde qui pas croit dans bon Dieu, pas manger chez Jésus ni pas boire sans Jésus parce que il vit une vie libérale, il connaît pas, il pas croit dans ça. Donc qui a venu monde ça? Donc li gon avenir la mort éternelle, li pral rejoindre Satan avec équipe li. Même s'il pas accepté Satan, ben en réalité depuis ou sous ou dans monde là, ou pas accepté Christ, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc sous pas accepté Christ, ben ou sous puissance malin. Sauf les chrétiens qui pas sous puissance malin. Sauf les chrétiens qui pas sous domination malin. Parce que il dit comme ça, il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ou même qui nan Christ, kembe Christ ferme. Ou même qui a servi Christ, kembe Christ ferme. Bon Dieu béni on seul pour l'amour gen pour bon Dieu. Bon Dieu béni on pour l'amour gen pour prochain. Bon Dieu béni on pour effort à faire dans relation avec lui. Bon Dieu béni on parce que vous toujours voulez communier et avec un cœur qui sincère. Bon Dieu béni on. Donc nous autres lis pour nous verset 54 toujours dans Jean 14 verset 6. Nous comme ça Jean 14 verset 6 il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, là, nous devons comprendre ça. Il va dire, le chemin. Il va dire que je suis l'un des chemins. Je suis l'un des chemins. Il va dire, moi, c'est un chemin. Il dit, moi, c'est chemin. Il va dire que je suis une vérité. Il n'a pas dit que je suis un chemin. Il n'a pas dit que je suis une vérité. Il n'a pas dit que je suis une vie. Mais il dit que c'est chemin. Hein? C'est vérité. Hein? C'est la vie. Hein? Donc, frère Maxime, yo, sois intelligent. Qu'est-ce que bon Dieu la femme? Sous beaucoup de relation avec lui, viens prendre. Parce que c'est celle-même qui la vie. Hein? Mais nous connaissons Satan risé. Satan fait cool qu'on est. Pour majorité nan nous perdi. Soit n'a fait philosophie pour nous perdi. Soit nous al gen croyance dans l'autre dieu qui sont faux dieux ou bien dans l'autre dieu yo qui c'est des faux dieux pour nous perdi. Soit n'a chita fait débat, n'a posé question, son série de bagaille qui déjà clair. Mais incrédulité nous fait non chita là-dedans. Donc en pile dans monde qui a perdi. M'vin parler ensemble avec athée là ou même athée qui suivre moi là. Attendez bien. Et si tout bon Jésus-Christ li existe? Athée ou attendez? Et si enlèvement li réel? Et si bon Dieu existe pour athée ou a perdu? Donc réfléchis bien athée. Pas grand ken mal ka privo si ou accepte Christ et puis Christ pas vini vrai. Si ou accepte Christ et puis pas de gen Christ vrai. Pas grand ken mal ka privo, au contraire, ou gen plus à gagner de accepter Christ que pas accepter Christ. OK? Soit accepter Christ, ou marcher selon vérité ya. Et vérité avec d'eau. Soit pas accepter Christ, ou périr parce que ou pas t'accepter li. Donc moun ki croit en Christ a gen la vie qui pa jamais finir. Moi men nou en pile. Moi dis nous merci à nous chaque qui toujours partager émission, permettre plus monde d'entendre émission. Moi dis nous merci parce que nous quitter commentaire pour tout le monde qui toujours quitter commentaire yo. Moi dis nous merci pour support nous et des frères nous prier pour bon Dieu ba moi plus lumière pour nous capable plus sincère, pour nous capable plus coller sous bon Dieu parce que nous pas parfait. Nous fait des erreurs, nous pas parfait. Que bon Dieu bénisse. Donc n'a pas rendez-vous pour l'autre tasse café matinal. Moi les aller quitter nous. Bonne journée tout le monde, bonne journée. C'était quoi, non? Ciao, on est le cristal.